pense que tout le monde devrait avoir le droit au respect pour son dernier jour. Oui, vous avez raison. C'est important de peaufiner sa sortie. Après tout, c'est le dernier souvenir qu'on laisse. Je demande pas les grands honneurs, hein. Je veux juste choisir quand et comment. Vous comprenez? Bien sûr. Vous avez bien réfléchi à votre décision? Ouais, j'ai bien réfléchi. Je vois pas d'autre solution, là. Je vois pas ce qui rend la vie préférable à la mort. J'en peux plus. Toute cette haine de ces histoires de drogue, de souffrance. Je veux que tout ça, ça s'arrête. Je peux vous poser une question? Je vous écoute. Vous faites ça uniquement pour le pognon ou par humanisme? Vous tenez vraiment à ce que je réponde à cette question? Oui. Disons que je pense à mes vieux jours. Vous savez, on vit une époque compliquée. Tout se vend. Tout s'achète. Même la mort. Vous êtes certaine de ne pas vouloir vous donner une dernière chance? C'est fini tout ça. J'arrête. C'est bon. On l'a localisé. Elle est entrée dans un appartement, elle n'a pas bougé depuis près d'une heure. Je vais commencer par vous faire une première injection qui va vous endormir. Vous allez lentement vous sentir glisser. Il faudra vous laisser aller. Quelques minutes plus tard, quand vous serez inconsciente, je pratiquerai une deuxième injection, cette fois-ci avec une dose létale. Quand je retirerai la seringue, vous ne serez plus de ce monde. J'ai vérifié le coffre. Il a été vidé, il n'y a plus rien. Oh!